Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Cardpocalypse Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Non! Les os de petit chien de Bouboule à manger dans l'épisode 238. Non! Le pistolet scientifique du professeur Neuron. La machine de science la plus puissante dans l'univers. C'est pas possible. C'est là que Wolfgang s'est énervé et a frappé le conteneur de glu. J'ai adoré cet épisode. Pas possible. Le météore qui a amené la glu à la Terre dans le premier épisode, sans blague. À l'aide, Jess. Elle dit qu'elle va me transformer en carte. Quand? Comment? Comment vas-tu transformer en carte? Je vais utiliser la glu que j'ai. Mais la glu ne tourne-t-elle pas à les pets en mutant? Oui, mais en combinant la glu avec les recherches de neurones, nous pouvons... Mais comment pouvez-vous combiner la glu et la science? Je n'ai pas le temps pour tes enfantins. Le garçon m'appartient. Pourquoi fais-tu ça? Je n'ai pas besoin d'expliquer mes actions glorieuses, brûlantes. T'as juste peur de moi? Je n'ai pas peur de toi. Je peux t'incinérer d'un coup de griffe. Si tu n'as pas peur et si tu ne vas me battre de toute façon, pourquoi ne pas dire ton plan? Je ne vois aucune faille dans ta logique. Je suis officiellement parmi les humains les plus intelligents. J'ai un certificat du président de la Terre. Nous avons des ordres très stricts de notre chef Wolfgang. Pour accroître notre puissance, nous piégeons des terriens dans des cartes parapètes. Nous commençons par les plus faibles et remettons la chaîne alimentaire. Des enfants aux adultes et enfin à la créature la plus redoutable. Elle se nourrit de la volonté des autres, draine les ressources précieuses et a une soif insatiable des genres, peu importe. L'adolescent terrien. Ensuite, nous aurons le contrôle sur votre monde entier. Je ne vaincrai jamais les ados. C'est de la folie d'essayer. La mauvaise glu guérit l'acné. On l'a déjà fait. Non. Tu feras un bon ajout à mon jeu royal. Et quand j'aurai épuisé ton pouvoir, je te cuisinerai en glu. Et je te donnerai à manger à mes sous-fils. Ou je vais peut-être t'enduire de magma et te transformer en pierre. D'options. Tu as fini? Parce qu'il est temps que Chaton prenne son bain. Attrape-la, Jess. Va à Inferna pour récupérer Nathan. Cardpocalypse, je vais te battre et toi, tous les autres humains sur la Terre. Très bien, j'ai compris. Bon. À la fin de ton tour, les autres.
la fin du tour au moins. Encore un suffix qui attaque. Hey, oui, on revient pas. Pas une charge. C'est n'importe quoi ça. J'ai perdu. Juste parce qu'il a volé ma carte. Je gagne tout. Carpocalypse. Vas-y maintenant, tu peux être ta propre carte carpet. Non. Carpocalypse. Bon. C'est gossant ces affaires, je veux dire. Ça va pas bien, ça. Ça. C'est mieux. On a 3 défenses au moins. Oh shit. Voyons. Ok. Faut que je tape 6.
Victoire, Carr. Impossible, je peux pas être vaincu. Oui, tu peux. Je viens de le faire. Carpocalypse. Je n'ai jamais perdu. Que va faire ma cour de cette insulte? Je ne dirai rien si tu ne le dis pas. Vraiment? Non, je vais m'en vanter devant tout le monde. Quel idiote, même si tu peux me battre. Tu n'es pas assez fort pour Wolfgang. Il va t'écraser. Il va plutôt. Ingénieux. Miaou. Ajoute un fragment de météorite à la planche de jeu. Le premier joueur à infliger 5 points de dégâts acquiert un bonus spécial à poussière météorite. Ajoute un jeu de gènes mutants de mutation à la planche de jeu. La principale mutation peut être déclenchée par un lot des joueurs révélant le suivant. Ajoute carte volante au tableau. Récupérez-le. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dans le portail. Ça vient d'arriver. Ouais, tu as été kidnappé par un vrai champion Power Pet. Et puis on t'a amené dans un tourbillon vert leur univers parallèle. Pour être utilisé dans une sorte de plan sinistre pour t'en s'emparer de la Terre. Et une fois fini avec toi, ils allaient probablement te transformer en glu et te manger. Comme dans l'émission. Ça va aller, je t'en sauver. Je t'ai sauvé. Tu peux me rendre un autre service, je suppose. Prends ces cartes. Je crois que je vais arrêter les Power Pets pour un moment. Vraiment, tu es sûr, Nathan? Ouais, je pense que je vais essayer DJ Will. Dans Road parle beaucoup. Merci de m'avoir sauvé, Jess. Il n'y a pas de quoi. Ce sont pas des cartes aboyants. Ne joues-tu pas les aboyants? Et d'autres cartes aussi, je ne peux pas donner caramel et tu peux garder un secret? Certainement. Je ne veux pas qu'elle se sente seule. Frank Kimmerman, le monstre l'a couvé. Je suppose que je devrais retourner à ce que je faisais. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, je vais entrer dans le hangar et personne ne va m'arrêter. Je dois d'abord me préparer en cas où j'aurai à combattre une sorte de mal suprême. Père Samantha a dit à mon père que les Power Pets sont 100% pareils. Elle. Véronica, qu'est-ce que tu veux? T'es prêt à un vrai défi? Je joue mes propres règles et je commence avec une carte en jeu. Ah, toi. Ouais, c'est ça pour voir. Un zappé caché, quel enfant de chien tu es.
c'est encore pire. Ah non, c'était... Ah, c'est pas poison, par exemple. J'avais pas vu ça. Ben n'importe quoi ça. N'importe quoi. Il me frappe tout, il me tue, je sais pas pourquoi qu'il me frappe pas. Je suis mort de toute façon. À tous les soufflets ennemis moins 2. Ça me parle d'une fois. C'est qu'elle est devenue bizarre dernièrement. Vraiment bizarre. Hey Jess, j'ai quelque chose pour toi. Cela va te tuer dans les batailles de Power Pet. Merci Billy. À toi, Ryan, tu veux essayer? Carpocalypse. C'est là, hein? Reviens en main.
Regarde bien ce fossé par exemple. On va tuer tout le monde. Victoire! Et voilà comment on joue. Carpocalypse! Comment es-tu devenu aussi bonne, Jess? Je vais essayer, mais là, quelque chose. Ah non, non. Okay. Attends, faire tes propres règles. Les ordinateurs sont pour les filles. Quoi? Ah, mais tu utilises un ordinateur, ils sont pour les filles. Je suis désolé pour toi. Pouvez-vous essayer d'éviter les ennuis au moins jusqu'à la fin de la journée? Vos frasques m'obligent à surveiller le corridor plutôt que de continuer ma dernière composition. Hey Jess, écoute, j'ai besoin d'une faveur. Dis-moi. Eh bien, tu aimes les Power Pets, vrai? Bien sûr. Et si quelqu'un avait ruiné tes Power Pets, tu ne te battrais pas pour ça, vrai? Je serais correct avec ça. Vraiment? Ouais. Je serais OK avec quelqu'un qui se moque de tout ce que tu veux dire, Power Pet. Power Pet veut dire des choses. Jess. Et j'écoute. C'est midi. Elle est allée trop loin cette fois. Je pensais qu'elle était de mon côté une fervente de Power Pet jusqu'à ce matin, lorsque j'ai découvert qu'elle a ruiné ma copie VHS de l'épisode 1 de MM de Power Pet au ciel. Elle savait qu'il était spécial. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Mes parents ont acheté un lecteur VHS il y a une semaine. Elle veut ruiner ma vie. C'est bizarre, je pensais que Mehdi était gentil. Pas du tout, Mehdi est méchante et tyrannique, elle pense. Elle sait tout. J'ai besoin de ton aide pour m'aider à lui donner une leçon. Je sais que tu es seulement une nouvelle joueuse. Je dois m'assurer que tout le monde regarde, puis tu la battras à Power Pet. Prends cette carte, passe-la à parier. Une très bonne carte, cela serait tellement juteux lorsqu'elle perdra. Considère-la comme fait, je savais. Je pouvais compter sur toi pour faire la bonne chose, Jess. On fera méditer sur le VHS Power Pet. Salut, Chad. Les Power Pets sont réels, lâche-moi un peu. Mon père connaît les gens qui produisent l'émission Power Pet, je saurais si les champions étaient réels. Tu as entendu parler du démon dans la toilette des filles? Quoi? La légende veut que si tu vas dans la salle des filles seule, et si tu dis Susie la prend trois fois devant le miroir, elle se pointe. Elle? La démon Susie la pluante? Personne qui l'a fait n'a survécu pour raconter l'histoire. Mais tu viens de me la raconter l'histoire. Prête pour un défi? T'as pas sérieuse? Je te mets au défi, Jess Carter, de dire. Suzy la puante trois fois devant un miroir de toilette. Si Suzy la puante me tue, raconte à tout le monde mon héroïsme.
D'accord. D'accord, allons-y. Ceci la plus haute. Ceci la plus haute. Ceci la plus haute. Ouais, elle est bonne, Samantha. Ah, Suzy la puant. Si impoli. Tu n'as pas un désodorisant au parfum de pain toi-même. Miasma est son nom. Oh, un autre mauvais champion qui cherche à se faire battre par les meilleurs. Vainque le plan Miasma. Petite fille prête à manger des pissenlits par la racine. Au moins, je chanterai bon. Allez, parlons. Carpocalypse! T'approche pas, j'en ai les larmes aux yeux. Faites tantôt un autre. Hein. C'est là. Je me débarrasse de cette carte-là tout de suite. Bon, c'est fini. On m'a battu.
Apocalypse. Bon. Mon Dieu. Oh, c'est fatal, il fuck ma game. La veuve, c'est que ça marche pas. Putain.
Les cartes tombent pas bien. Rien faire encore. Tant que les cartes vont pas tomber comme il faut, je pourrais pas. Incroyable. Juste 4 de dommages. Les affaires de même, je voulais pas un défenseur. Ah, t'es...
Ah, c'est fini. Je peux rien faire. J'étais proche, c'est encore maintenant. Apocalypse. Ah, shit, j'ai pas tué ma carte. N'importe quoi! Je comprends pas. J'avais une carte charge, c'était parfait. Ou une charge. Oh, tabarnak, c'est n'importe quoi. Je l'avais, calice. La veste. Qu'est-ce que ça passait qu'il y a eu ce carte-là? Ça fuck. T'as tout fucké.
Ah, oh, j'ai jamais mis aussi proche. J'étais à un coup de l'avoir. Yes! Enfin! Tu te sens plus tard dur? Ce n'est pas possible. Les soufistes devraient être pacifistes. Les soufistes pacifistes gagnent 3 points d'attaque. Les soufistes pacifistes, écoute. Tu as réussi? Tout à fait. Tu dis la puante était miasma tout le temps. La championne Power Pet ne soit pas bête, Jess. Les champions Power Pet ne sont pas réels. Comme tu veux, Samantha. Tes yeux sont comme des gobelets de pudding, tes dents sont comme des frites. Ta peau est comme des petits pains fruités, mon cœur bat comme un pain de viande surprise. Il paraît que tu cherches des champions, je sais où il y en a. Vraiment? En face de toi. Laisse-moi croiser un de ces champions. Je vais l'écraser. Et nourriture sous le menu aujourd'hui, Larry? Personne ne mange personne ne mange ce sur quoi je travaille toute la journée, alors j'abandonne.
Le menu du jour prévu des burritos, ce sera donc des burritos. Des burritos remplis de mini rouleaux de pizza surgelés trouvés au fond du congélateur. Harry, c'est fantastique. Ça va faire fureur. Pas vraiment? Je vais appeler ça des pizza rulitos. Je te crois au super champion. Ah oui, excellent. Oui, mais je ne peux pas vraiment aider parce que je suis petit. Moi aussi, je suis jeune. Oui, mais je suis plus petit. Salut, Jérémy. Tu veux jouer, tu dois utiliser que des cartes communes. Ça inclut les champions. Est-ce que c'est des cartes que tu peux gagner contre des cartes communes? Non, tu veux jouer? Non. Jess. Ça y est, tout est fini. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je me suis fait prendre avec mes cartes. J'ai une retenue et je suis sûr que mes parents vont me tuer au pire m'envoyer à l'école militaire. Aïe. Il doit y avoir quelque chose à faire. Comme quoi? Nous pourrions appeler tes parents? Pourquoi? Je ferais semblant d'être à l'école et je leur dirais quelque chose. Je dirais que c'est un gros malentendu et que tu es un bon élève. Mais ils ont l'identification de l'appelant. Je vais appeler maintenant avec le téléphone de l'école ou sans les téléphones. Il y en a beaucoup, je crois. Le bureau du directeur. Un peu risqué, mais ils croiront un appel du téléphone du directeur. L'infirmerie. Plus sûr, mais moins crédible. Tu devrais faire semblant d'être infirmière, fan. Et, mais il y a une cabine téléphonique dans l'entrée. Mais il faut appeler 5555 pour virer. Ne t'en fais pas, Sam. Je suis une experte en tromperie. Andy, je n'arrive pas à croire que les enfants ont gâché le jeu en mettant des autocollants sur les cartes. Je refuse de jouer quand des jeunes qui utilisent des cartes avec des autocollants et quand je joue, je gagne. On va essayer pour voir juste simple, sinon on enlèvera la carte qui est un autocollant. Non, c'est fini pour lui. Victoire! Un deck de merde. Tu vois, ça a gagné. Et alors? Eh bien, au moins, tu m'as battu pour de vrai. Tu sais que les autocollants, c'est fait assez formidable. Tu devrais essayer. Un T4. La question, tu déprécies. Tiens, prends ça. On va battre un vrai jeu. Léon, 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 Léon.
Oh, ça va, Jess? Ne me commande pas comment ça va, Ted. Alors, j'entends des petites rumeurs que tu as ruiné la vie de CG. Tu as manqué de respect envers les Power Pets. Tu as manqué de respect envers nous tous. Je ne sais pas du tout de ce que tu parles, Jess. Ou non? Tu ne peux pas l'éviter, Mitzi. Tout le monde regarde par ici. Oh, drame. Qu'est-ce que tu fais, Jess? Plus de bavardage, je mets cette carte en gage et nous jouons pour les la gagner. Règle officielle du tournoi, les cartes sont itemisées. Sortez vos cartes et préparez-vous à sentir la douleur. La glu est-elle comme le caramel des barres pit? Je ne mange pas ça. Tu sembles assez digne de confiance, je te crois, au sujet des champions. Enfin, quelqu'un qui me croit. Ils pourraient être très utiles si nous pouvions les convaincre d'être de notre côté. Bonne chance. Cartpocalypse! Ça va, merci. Ils ont tous des jambes et des bras et des bonhommes. Hey, comment ça va? T'avais pas vu, excuse-moi, ça fait longtemps que t'es là? Assez parlé. Bon, allez. Excellent. Je m'ai même pas pensé. Je vois bien. On a eu un nouveau jeu, là. J'étais chanceux d'avoir ça, un jeu à 80$, 90$. Ça pue. Je pense pas pouvoir gagner celle-là. Il y a toutes des cartes défense, elle, tabarnak. Oh mon Dieu. Ok, elle a toutes les cartes qu'il faut, je pourrais pas. Oh, c'est une gaffe. Ah, il y avait Fatal, j'ai pas vu. J'aurais pas dû frapper dessus, elle. Bon, mais celle-là, on la gagnera pas. C'est pas si pire, par Je m'en sors mieux que je pensais. Qu'est-ce que t'as fait ces derniers jours? On t'a pas vu. Mon Dieu, c'est... Ok, calme-toi.
Je demande si je peux m'en sortir. Ah, il y a une carte défense. Ah, mais... T'es mort? Vite-toi, je m'attendais pas à ça. Je comprends toujours pas comment ça fonctionne, les cartes. Il y a des fois que je suis là, mais je... Là, sur ma télé, j'espionne. Ah, ma maudite, toi. Tu devrais me dire, parce que quand t'es là, ça me motive à rester. Et ainsi va la vie, frère. Ça me fait quelqu'un jaser. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu as même gagné ma meilleure carte. Elle est pourrie de ta carte. Je ne jouerai même pas avec. Je sais que tu sais. Et tabarnak, quoi? Tu as enregistré par-dessus l'épisode de MMPP de CG en VHS. Quoi? Je n'ai pas fait ça. Oui, tu l'as fait. Je n'ai même pas de lecteur VHS, mes stupides parents ont acheté un Betamax. C'est vrai, on a eu une soirée pyjama une fois et on n'a même pas pu louer de film. Mais CG a dit pourquoi. Il est fâché car il a dit que les filles ne peuvent gagner à PowerPoint contre les gars. Alors je l'ai battu. Je suppose qu'il voulait que tout le monde me voie me perdre la face à la petite nouvelle. Cette espèce de Jess. Rah. Tant mieux? Non. Je me sentirais mieux lorsque j'aurais pris ma revanche. Revanche, la suite. Heureusement, j'ai un plan. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Jess? Voici ce que nous ferons. Je prendrai quelque chose de vraiment embarrassant et le placerons dans le casier de CG. Puis nous dirons au prof qu'on a vu des cartes PowerPet dedans. C'est sauvage, DJ, j'avoue. Ils ouvriront le casier. Et boum, CG, humilié. Ils vont tous. Bonne idée. J'ai pensé sur le coup. Trouve quelque chose d'embarrassant que nous pouvons utiliser pour rejoindre-moi au casier de CG. Apocalypse! Voyons voir. 4, 5, 1, da-da-da-da-da, sonne. Tandis que je suis ici, je devrais prendre une poignée de sucette. L'infirmière fan devrait penser à verrouiller la porte. Je me demande si les dossiers de Bruce sont ici, je pourrais savoir pourquoi il est un tel emmerdeur. Allô? Bonjour, Monsieur Wintner. Oui, qui est-ce? C'est moi, l'infirmière fan. Je voudrais vous dire que tout ce que vous avez entendu à propos de Sam aujourd'hui est inexact. Il n'a pas été surpris avec des power cards. Il est un très bon élève. Pas besoin de l'envoyer à l'école militaire. Oh? Autre chose? Son ami Jess est assez fabuleuse. C'est à peu près tout. Vous devriez peut-être récompenser votre fils et ses amis. Oh, vraiment? C'est une blague? Pourquoi l'infirmière fan, une amie de la famille depuis des années, appellerait-elle pour parler de la retenue de Sam? Alors, ami de Sam, dites-lui qu'il est dans le pétrin quand il rentrera. Je devrais le dire à Sam qu'il va mourir. J'ai deux personnes à voir et après-midi, c'est un tranquille comme journée. Cet après-midi, sinon... Bon, mais Sam va mourir. Sam, ouais, t'es mort. Austin, j'ai besoin que t'en aides pour quelque chose. Tellement Jess Quack 9. Je dois rédiger une lettre d'amour et tu as été heureux avec ça. Quand je ne suis pas celui en amour par quand. Quoi? Je voulais dire, c'est exact. Qui est ce chanceux? Appelons-le. Bébé. Vraiment? Alors on va commencer, cher bébé. Maintenant que c'est toujours bon de comparer ton béguin à quelque chose que tu aimes, alors nous dirons tes yeux sont comme.
des étoiles dans le ciel. C'est bon. Et ton parfum me fait penser à ma grand-mère. Elle sent comme un savon rose. Puis nous dirons, passant à la fin, c'est un remplissant juste de bêtises et disant quelque chose de mignon à la fin. D'accord, d'accord. Tendre bisou, mon cœur t'appartient. Et tu signes ton admirateur secret, CG. Ton secret? Merci, Austin. Oui, bien sûr, tu es bienvenu. Tu as fière allure en camouflage, Sam. J'en étais sûr, je suis condamné à l'école militaire, nom de Dieu. Ne t'en fais pas, Sam. Ils ne t'enverront jamais à l'école militaire. Mon père dit qu'il va m'y envoyer chaque semaine des menaces. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Carpocalypse Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!